1-1 on approach. Multiple targets sighted. Raining fire. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Call of Duty Modern Warfare sur PlayStation 4. Édité et développé par Activision et Infinity Ward, sortie officielle le 25 octobre 2019. Abrégeons les souffrances. Voilà. Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans comme vous pouvez le constater et une brillante note avoisinant les 17,5 sur 20 de moyenne générale sur Game Rankings. Première chose que l'on peut constater, il s'agit de la première mission du mode histoire, on va limiter le spoil, je me lance uniquement dans cette mission déjà faite, vu que l'histoire je l'ai clairement dévorée, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 jours que je possède le dernier bijou d'Infinity Ward, et je le trouve tout simplement monstrueux, autant sur le point solo que le point multijoueur. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de références dans ce Call of Duty, de nombreuses scènes copiées-collées de la saga des Infinity Ward seront présentes, même le type qui se fait défoncer une fois que la porte s'ouvre, ce n'est sans nous rappeler le fameux Call of Duty 5 World at War, et la baston qui commence déjà. Je suis équipé actuellement du M4 qui est une arme assez récurrente de la saga des Call of Duty, la bande son est exceptionnelle, et le retour du mode co-op avec les missions Spec Ops raviront les puristes. Néanmoins, un gros point négatif, attendez-vous à supprimer pas mal de contenu dans votre système de stockage PS4 car le jeu au total fait 119 gigas. Cette lampe ne cesse de se réactiver. En fait, je pense que je suis en train de uniquement de hitmarker l'ennemi sans le tuer. Ça y est, enfin un point de contrôle. Les exécutions sont assez impressionnantes. Comme je vous dis, le jeu est clairement assez violent. D'ailleurs, un message vous le rappellera au tout début avant de lancer la campagne. Je vous rappelle que dans les Modern Warfare, il y avait certaines missions qui ont grandement fait polémique. À savoir la mission dans le terminal, la fameuse mission pas de russe de Modern Warfare 2. Et comme je vous l'ai dit, pas mal de missions vont s'inspirer de certains de ces faits, comme des tirs de sniper à plusieurs mètres, comme quand on éclatait le bras de ZKF dans la mission de Tchernobyl, quand on incarnait le capitaine Price en compagnie du capitaine Macmillan. Excellente mission de Call of Duty 4. Le son est excellent, même un poil un peu trop. Pensez dans les réglages à un petit peu baisser la qualité son parce que le jeu est vraiment fort, autant dans le casque que dans le retour télé. C'est assez surprenant au début. Dès l'intro crédit Infinity Ward, on sent que le jeu va être fort en décibels. Je me lasse pas de ce genre de mission, enfin, Infinity Ward a toujours eu le talent pour nous tenir en haleine tout au long de leur mission, sauf que là, dites-vous que chacune des missions de ce nouveau Modern Warfare vous tient en haleine du début à la fin. Ce sont toutes des missions avec un style de gameplay iconique, et donc chacune des missions est au-dessus de la précédente. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'ils peuvent faire mieux que la précédente mission qui nous a hypé un max? Effectivement, dans celui-là, il est juste monstrueux. Toutes les missions sont prenantes. Là, c'est le fameux moment où l'électricité est coupée. Allumons la lampe torche.
On va essayer de trouver le type. Il y a même une ambiance un peu horreur là. Hein. C'est le jeu de lumière est excellent. Je me rappelle plus s'il y en avait un second. Oui. Aussi penser parfois à viser. Je tirais souvent à la jugée. Ce call off sera punitif si vous visez souvent à la jugée, malheureusement, si vous n'avez pas de poignée ergonomique. Les tirs seront plus imprécis à la jugée qu'en visant. Ce qui est dommage parce que viser vous fait... J'ai failli crever. Vous fait perdre quelques microsecondes qui sont parfois nécessaires pour gagner un teamfight. En parlant de teamfight, une fois que la mission sera terminée, j'enchaînerai directement avec une petite partie en mode online. Je ne ferai pas de mission coop parce que je n'ai pas assez de potes pour pouvoir jouer et vous offrir un gameplay assez conséquent. Sachez néanmoins que les 119 Go doivent être atteints en téléchargeant justement ces missions Spec Ops qui ne sont pas une partie des données intégrantes du CD, du format physique du jeu. Il faudra télécharger chacune des missions ainsi que le fameux mode survie qui nous avait tant plu, remplaçant à peu près le mode zombie de... C'est top ça, pour détecter le gaz. Voilà le mode survie qui remplaçait un peu tout ce qui était zombie ou mode alien chez Sledgehammer Games ou alors chez Treyarch. Le mode survie revient dans ce Call of Duty. Et tout ça, il faudra le télécharger. Ma mission se termine, je monte dans ce petit pick-up et je vous laisse avec la cinématique avant de nous retrouver sur une partie en online. Au travail, Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Mais c'est qui ça? Sidi, answer. Ma non lo sé. Marines, a metar. Lazim mi tarak. Paran. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre colonel, sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général. Les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où? Occupé. J'ai un problème. Les Russes? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. Nous voici donc dans le mode online, comme promis. Ce nouveau opus de Call of Duty met l'accent sur la personnalisation. Que ce soit pour les fusils d'assaut, les mitraillettes, les snipers, les batteuses, il y en a une chier au niveau de la personnalisation, en plus des 19 kill streaks
que possède ce Call of Duty Modern Warfare. On peut aller jusqu'à la personnalisation du camouflage, du réticule, du chargeur, de la poignée, de la mire, de la crosse. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour correspondre à votre style de jeu, à savoir que chaque mode mis sur l'arme vous donnera un bonus ainsi qu'un malus. On va enchaîner directement, on va sélectionner du coup une game en match à mort par équipe. Coalition. Bon, j'ai de suite pris la première game, hein. J'espérais une nouvelle map qui n'était pas arrivée durant la bêta, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Le mode match à mort par équipe, je ne vous apprends rien, hein. C'est toujours le fameux 6 contre 6, et encore, maintenant qu'il y a le mode conquête, on peut faire une sorte de MME, mais en 10 contre 10 et même 20 contre 20 avec des maps beaucoup plus overground, à savoir que ce nouvel opus de Call of Duty est un mix entre l'arcade de Call of même que l'on connaît depuis les prémices du grand Call of Duty 4 en 2007 sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais aussi du coup mixé avec un Battlefield. Le début des parties de Call of Duty, c'est toujours le premier qui se cherche. Le First Blood, un petit peu, impose, donne une cadence, donne un rythme et inspire la confiance chez l'équipe qui a commis le First Blood. Le First Blood étant, pour les néophytes en la matière, c'est le premier type qui se fait buter dans une équipe. Il y a bel et bien des joueurs, mais je ne croise personne ou alors des AFK. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un kill au corps à corps, mais comme vous pouvez le voir, voilà, ce sont des coups de crosse et on ne tue plus en un seul coup, à moins de se mettre éventuellement un couteau tactique pour faire du cut. Mais là, en l'occurrence, c'est du coup de crosse. Comme vous pouvez le voir, le jeu est magnifique. Il suffit de voir ce que ça donne. Et bordel. J'ai tous mes collègues à droite. Je pensais avoir une légère cover efficace. Ah non, c'est vrai, X-Rouge. On ne sort plus l'excuse de la cover. C'est de ma faute. Je ne dois en vouloir qu'à moi-même. Ben voilà. Voilà comment on fait. On va apprendre aux teammates comment il faut tenir une lane. C'est frustrant parce qu'on entend les tirs, on perçoit les pas. On sait pas où ils sont, c'est assez flou. Et du coup, ça ajoute une certaine tension qu'il n'y avait pas dans les autres. C'est vraiment classe. Après, comme j'ai dit, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Hein. Vous prenez 2-3 balles dans la gueule, c'est pas parce que c'est votre collègue qui ne vous a pas protégé. Faut pas espérer avec un si peu nombre de balles pris dans la cabine. C'est pas votre collègue qui peut vraiment vous aider. Contourner un ennemi est assez facile quand on a des drones, surtout que les drones maintenant peuvent se cumuler. Et ça, c'est un point positif et à la fois négatif. Négatif parce que si vous activez votre drone alors que votre collègue en a déjà mis un, ben vous perdez du temps sur votre drone, parce que l'effet ne se cumule pas. Mais les drones, eux, sont cumulables. Ce qui fait qu'on peut parfois se retrouver avec un ciel composé de 6 drones dans chaque équipe. Donc on a 12 drones dans le ciel, c'est assez bizarre. Mais bon, comme le temps n'est pas cumulé, ça revient un petit peu au même, quoi. Au moins, ça vous fait des points si vous voulez faire de la tapette à mouche. La tapette à mouche est un défi qui remonte à l'époque de Call of Duty 4, qui était de dégommer un engin aérien, hélico, drone, n'importe. Oh, l'enfoiré! Il m'attendait dans le puits, quoi. Ah, ça campe parfois. Et du coup, vous devez le buter avec un lance-roquette ou le faire tomber à l'aide de vos balles chemisées. Ah ouais, non, la clé mort quand même, elle a une portée, je pensais pas que j'allais prendre des dégâts à cette distance. Le largage frappe aérienne maintenant est modifié, c'est ce que vous voyez à droite en fait. J'ai un petit... j'ai un spectre laser en fait, et j'indique un endroit et les avions arrivent en fait. Ce n'est plus une map qui s'ouvre sur une espèce de micro GPS portatif... sur un pad tactile que l'on sort.
Non, maintenant c'est un pointeur laser. On le tient en main, on l'indique, et la frappe arrive à cet endroit. Pas mal de nouveautés, et en plus ça nous fait gagner quelques microsecondes assez importantes. Oh, oh. Assistance, je reste sur ma faim. Je pensais lui avoir mis beaucoup plus que ça. Voilà, on va le mettre ici. Ce qui fait que du coup, on peut passer côté. Voilà. Je me suis dit, putain, s'il n'y en a pas un sur les deux qui arrive quand même, je comprends rien. Après, je pense trop pour les adversaires. Le tir à la jugée aussi, oh là là, le tir à la jugée, non, faut vraiment que j'arrête. Ce jeu n'est pas fait pour le tir à la jugée. Et c'est assez bizarre, hein. Moi qui suis un adepte du tir à la jugée quand l'ennemi est proche, et visé quand l'ennemi est loin, c'est assez... Je me suis même pas foutu de gagner un duel alors que les mecs sont indiqués en temps réel sur la map, quoi. Je me défends un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment mon plus beau gameplay que je vous offre. Enfin, moi, en tout cas, je n'en suis pas satisfait. Il s'est caché, il est revenu. J'aurais dû tenir la lane. Après, bon, vous allez me dire aussi, tenir la lane alors qu'on est en dessous. Quand on est dans un niveau inférieur, c'est assez compliqué de toucher quelqu'un, peu importe les FPS d'ailleurs. Celui qui est toujours au-dessus de l'autre prendra l'ascendant. Logiquement. 55 à 40, à vous rappeler que le premier arrivé à 75 gagne. Donc 75 kills émis par les 6 joueurs qui composent l'équipe. Je vois plein de points rouges, mais je vois personne, quoi. C'est frustrant. Et c'est quand je dégage que je me prends des balles dans le dos, d'ailleurs. Quelle horreur. J'espère donc, du coup, que cette petite séquence de gameplay sur la première mission du jeu vous a bien plu. A savoir que, bon, voilà, hein, c'est... C'est comme sur chaque Call of Duty, on incarne deux personnages qui ont une vision différente, avec un scénar différent. D'un côté, on a un soldat du SAS, et de l'autre côté, on a un combattant antiterroriste de Londres, de l'unité SO-15. Et la tapette à mouche qui a été faite, Blackout. Ce qui veut dire que du coup, je prive l'ennemi de renseignements, vu qu'il s'agissait d'un drone ennemi révélant nos positions. Ah non, mais en fait, ouais. Ouais, non, ça devait être peut-être un ennemi qui est tombé devant moi et pas un allié. Du coup, comme je vous ai dit, grâce à ces kills streaks, vous pouvez faire d'excellents combos. Vous n'avez qu'à vous mettre l'atout de un kill cadeau pour avoir les kills streaks plus rapidement. Et vous pouvez du coup bombarder la map de drones, quoi. Ce qui est assez facile à faire, mais au moins vous êtes un pro du renseignement pour votre équipe. Je pense qu'il en faudrait au moins un par team, quoi. Ce serait crucial pour gagner d'éventuels futurs wars entre teams. Donc c'est une victoire 75 à 55, 20 kills d'écart, ça va. On a montré la supériorité. Plus de POTG. On retourne sur la killcam de l'élimination finale et pas sur la meilleure action de tout le jeu. Bon, petit score, mais bon, c'est dans du positif. En espérant donc que ces gameplays vous auront bien plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !